Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre. L'invité de notre matinale, il est installé. Monsieur Richard Crémé, bonjour. Bonjour, Tata Mariam. Contente de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Alors, vous avez cette particularité, c'est de allier. Vous avez un passé Zouglou. Oui. Et un présent Chantre. Ouais. C'est ça? Oui. Et c'est une combinaison qui marche? Très bien. Dans vos morceaux présents, on sent la touche Zouglou? Oui, on sent la touche du Zouglou. D'accord. Et comment on migre du Zouglou aux chansons purement religieuses? Il faut dire que c'est d'abord quelque chose qui défilait d'abord l'autre côté. Dans le monde, il faisait le Zouglou. Avec un groupe qu'on appelle les Experts. On avait chanté dans le temps, resté au village, oh, c'est bouton bien. Voilà, et puis on a croisé. Mais, non, mais il faut bien chantonner pour nous. Dans le temps, c'était resté au village, oh, yes, yeah, c'est bouton bien. Reste au village, oh, ah oui, c'est pour ton bien, oh. Voilà deux vieux bavlés qui voulaient venir à Abidjan, oh. Ils connaissaient pas Abidjan, ils voulaient venir quand même. Ils ont prêté le cas, direction à Djamé, oh. Dès qu'ils sont descendus, quoi, il y a eu l'envie de manger. Les galets des vieux chinois, y a resté au village, oh. Parce que j'en peux dire, voilà. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2005. Ok. En 2005, nous avons rencontré un monsieur qu'on appelle Djikouri Emile Abyss. Et c'est lui qui nous a présenté Christ. Et c'est comme ça que nous avons commencé à faire le Zouglou Gospel. Et nous étions quatre auparavant. Il vous a présenté Christ, ça veut dire quoi? Vous étiez dans le monde, vous faisiez des choses pas bien? Oui. Beaucoup de choses pas bien? Beaucoup de choses. Trop de choses pas bien? Oui, beaucoup. Donc, il fallait tout changer? Il fallait tout changer. Alors, au début, quand on rencontre Christ, on réalise pas d'abord que... Non, on réalise pas d'abord, oui. Parce que... Tout de suite, tu te dis, bon, ça va aller parce que tu as croisé quelqu'un, tu es puissant, il va te bénir tout à l'heure. Ok, c'est faux. Il y a des épreuves. Mm-hmm. Alors, c'est dans cette période-là que mes amis et moi, on vivait dans les épreuves et puis ils ont rebroussé chemin. Et moi, j'y résistais. Mm-hmm. Voilà. Les épreuves, c'est quoi? La souffrance, la privation? Souffrance. Il arrivait un moment même pour se laver, c'était compliqué. Je me lavais avec Homo. On ne précise pas de marque sur le plateau? D'accord. Donc vous l'avez avec du savon en poudre. Oui, en poudre. Pour la lessive. Oui, pour la lessive. C'est ça? Je me brossais souvent aussi avec du savon. Pourquoi? Il n'y avait pas les moyens pour... Il n'y a pas de pâte dentifrice, il n'y a pas les moyens. Ah. Mais et le bon vieux cul-dent? Bon. On n'y pensait pas forcément. De temps en temps. Avec du temps en temps. Ouais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'était très compliqué. Très difficile. C'était très difficile. Très difficile. Souvent, mon fils. C'est l'avec de la poudre pour lessive. Ouais. C'est que c'était vraiment difficile. Se brosser avec de la poudre pour lessive. Enfin, du savon. Ouais, c'était difficile. Je me dédommais même sur les bancs de l'église. Mm-hmm. Ouais, c'était difficile. Mm-hmm. Ouais. Donc, pour dire que ce n'était pas une mince affaire, et c'est comme ça que... Mais est-ce que c'était lié au fait que vous soyez dans le monde? Ce n'était pas lié à un autre contexte? Beaucoup de gens traversent les épreuves sans changer de monde. Oui. Mais non, je me suis dit que, bon, tout de suite, avec le Seigneur, il y a des étapes. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est comme un enfant qui naît. Il ne coupe pas en même temps. Mmh. Quand il naît, il fait quatre pattes, il se blesse, il se ressaisit, puis il continue. C'est comme ça la vie chrétienne. Mmh. C'est les étapes. Donc, cette étape-là, c'était l'étape des épreuves. Mmh. Et puis de l'épreuve. Il fallait passer cette étape-là d'abord avant d'entrer dans ta destinée glorieuse. Donc, c'était cette étape qu'on appelait le désert obligé. D'accord. Ouais. C'est la traversée du désert. Ouais, traversée effectivement, du désert. C'est une étape indispensable. Indispensable. Indispensable pour se réaliser. Pour se réaliser. La traversée du désert. Ouais, ouais. D'accord. Et cette traversée a duré combien de temps? Bon, ça a duré. Mmh. Ça a duré, ça a duré. On parle en dizaines d'années? Ouais, dizaines d'années, ça a duré. Quand même, hein? C'était trop chaud. Ouais. C'était trop chaud. Et cette mutation a changé votre vie? Avec le Christ? Oui. Oui, ça a changé complètement ma vie parce qu'il faut dire avec le Christ, il confirme toujours qu'il est celui qui est le véritable Dieu. Mmh. Il confirme toujours. Ah, c'était difficile, mais lorsque je me suis engagé avec lui, j'ai mis ma confiance en lui, il m'a révélé, il m'a montré que... Il est capable de prendre l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. Mmh. Il m'a montré qu'il est capable de prendre les choses fortes pour confondre les sages. Il m'a montré qu'il peut prendre quelqu'un qui n'a rien d'un bagatier pour le positionner quelque part. Voilà. Et aujourd'hui, quel est votre positionnement? Ma position aujourd'hui, c'est les gens qui disent, bon, j'ai dit que ça va par rapport à hier. Mmh. Ça va très bien par rapport à hier. Parce qu'aujourd'hui, je peux manger ce que j'ai envie de manger. Je vais là où je veux. Voilà, et vous vivez de votre art aujourd'hui? Oui. Oui, c'est ça que je vis. Je vis du Zouglou Gospel. Du Zouglou Gospel. Et comment vous êtes perçu dans le monde de Zouglou pur? Faut dire que j'ai une très bonne relation avec les aînés, Lagou Poléo, tout ça. J'ai une très bonne relation avec eux. Ils sont même invités à mon événement qui aura lieu le dimanche prochain à l'hôtel communal de Kobodi. Alors, il faut dire qu'ils apprécient bien. Je me souviens que nous étions la dernière fois à l'AG. Et puis, j'ai croisé des aînés dans le Zouglou qui m'ont dit, ah frère, vraiment on écoute ton Zouglou, vraiment c'est très bon. Comment on peut avoir ton CD? Je leur ai dit, non, voici comment on fait pour avoir les CD. Faut dire que c'est bien apprécié. Voilà. Mm-hmm.
Et comment vous êtes perçu dans le monde des chanteurs? Oui, dans le monde des chanteurs, ça a été difficile au début. Pourquoi? Parce que c'était le Zoulou. Ça a été difficile, donc il fallait le convaincre. Alors, ils ont compris que ce n'était pas un Zoulou bizarre, c'était un Zoulou sanctifié et converti pour la gloire du Seigneur. Sanctifié et converti pour la gloire du Seigneur. Voilà, c'est ça le Zoulou Gospel. Le Zoulou Gospel, c'est la parole chantée. Juste pour exhorter, pour consoler, pour édifier, afin de pouvoir. Vous êtes seul à faire ce style? Comment? Vous êtes seul à faire ce style Zoulou Gospel? Oui, il y a des frères aussi qui font le style Zoulou Gospel. Voilà, il y a des frères qui font le Zoulou Gospel. Mais pour l'instant, c'est Richard Cremier qui est au devant. Voilà. Ah ben on va vérifier ça. Hein. Ouais. On vous écoute pour le premier morceau. Hein, ok, ça passe aussi. Ah. Ouais, vous pouvez rester assis. Ok. Voilà. Avant le premier morceau, on va à Dieu. Pour dire merci à Dieu pour sa fidélité. Merci Seigneur. Chantons gloire à Dieu.
gloire à Dieu. Disons merci à Jésus, 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 Jésus. C'est bon? Alors, un peu plus bas, s'il vous plaît. Quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Pendant que vous chantiez, j'imaginais la scène. Et ça, c'est rare. Et vous avez un timbre de voix. On a l'impression que vous avez la voix cassée. Mais c'est une voix cassée qui s'intègre. Yes. Non, je suis d'accord avec vous. Merci. Non, franchement. C'est ça le Zulu gospel. C'est ça le Zulu gospel. Non, c'est génial. Merci beaucoup, Tata. C'est génial. Parce que, en fait, c'est, votre choix, je vous dis tout, hein, on se dit tout sur le plateau, c'est le choix de Christelle Akoussa. C'était le choix de Christelle Akoussa. Ouais, ouais. Donc, quand elle m'expliquait, elle dit tu le connais pas bien. Yeah, et puis, elle a chantonné. Quand elle a chanté, je lui ai dit toi, il faut que c'est la réalisatrice. Yeah, yeah, yeah. Parce que ce que tu chantonnes, ça ne ressemble pas. Mais c'est génial ce que vous faites. Ah, merci beaucoup. Merci. Et c'est vous-même qui écrivez les textes? Oui, c'est moi qui écris les textes. Mm-hmm. Ouais. Et vous partez de caricatures, de vie, de drames qui se sont produits. Oui. Et puis, vous en faites des chansons, c'est ça? Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent certainement avoir la force pour lever la main pour boire un verre d'eau. Il ne peut plus parce qu'il a dormi hier, il s'est levé le matin, la main est paralysée. Nous avons toutes nos facultés, on a du mal à dire merci à Dieu. J'ai pour l'habitude de dire, tout être humain sur la terre dit merci à Dieu. Même le chien, quand il se lève, qu'il aboie, il entend dire merci à Dieu à sa manière. Le coq, même quand il se lève, qu'il dit cocorico, il entend dire merci à Dieu parce qu'hier, il a évité les cassés de cou. Il a été épargné des cassés de cou. Donc, tout être humain a le droit et le devoir de dire merci à Dieu. Donc, pour celui qui veut danser Dieu, qui n'a pas le pied, pendant que toi tu as les pieds, on lui dit vous dansez, tu n'arrives pas à danser Dieu. Or lui, il cherche les pieds pour danser. Voici un peu. C'est ça. Quelqu'un aussi veut célébrer Dieu, mais malheureusement il est dans le tombeau. Il est mort. Il ne peut plus revenir. Toi tu as encore la vie, tu as toutes tes facultés. Qu'est-ce qui t'empêche de dire merci à Dieu? C'est vrai que tu n'as pas ce que tu veux maintenant, mais Dieu est fidèle. Voilà, c'est comme ça. De la même manière qu'il n'y a pas de vol sans destination, il n'y a jamais une personne qui est venue sur la terre sans une destinée. Voilà. Ça c'est une belle phrase. Hein. Merci. Il n'y a pas de vol sans destination, mais personne n'est venu sans destinée. En fait. Voilà. J'ai presque envie de ne pas vous laisser partir, je suis quasiment obligée de le faire, hein, parce que nous avons beaucoup d'invités, mais vous êtes l'invité de la matinale. Ouais. Ça veut dire qu'on marque juste une pause, je reçois d'autres personnes, et puis c'est promis, on se retrouve juste... on me fait signe à la réalisation, je n'ai pas entendu le message de la réalisation. D'accord. D'accord, très bien. On me dit de rester encore un peu avec vous, donc c'est parfait. Alors, parlez-moi maintenant de votre présent. Alors, vous avez eu à faire beaucoup de scènes à l'international? Pour l'instant, pas à l'international, mais il faut de la Côte d'Ivoire et dans son région, beaucoup d'interventions, beaucoup de prestations. Voilà. Et là, nous sommes, je viens de finir l'album de 12 titres, enregistré en live, qui sort normalement le 6 mars, le dimanche prochain, où je vais donner un concert d'action de grâce. Le concert, le thème du concert, c'est ma reconnaissance au véritable Dieu, à l'auteur Kouna de Kokodi. Voilà. Et le témoignage que j'en ai tout à l'heure, avec tout ce que j'ai vécu, et puis, vous savez, comme il disait dans le temps, Resté au village, c'était hier. Et maintenant, transformer la chanson, c'est plus rester au village, c'est rester en Jésus, c'est pour ton bien. Voilà. Si vous voulez, plus chanter, vous allez déguster pour vous aussi. Mais c'est ce que je souhaite. Ok, allons-y. Ok. C'est juste pour t'aider, pour te fortifier, pour te voir, j'ai fait le conche, parce que tu es fruit de l'amour, bien sûr. Rester en Jésus, c'est pour ton bien. Je vais vous raconter les bienfaits de mon Dieu. Quand j'étais dans le monde, je ne savais où aller. Je vivais comme je voulais, je partais où je voulais, sans espérance, et ma vie n'était qu'un calvaire. Ah oui, reste en Jésus, oh, c'est pour ton bien. Reste en Jésus, oh. Ah, si tu restes en Jésus, je fais d'une famille très pauvre, adoratrice des fétiches, dans un quartier très pauvre. Malgré les libations, adoration, je faisais mes parents. Aucun membre de ma famille n'a connu le vrai bonheur. Et c'était des morts en cascade, n'ayant pas de solution.
Sans espoir, je me suis jeté par la rue. La délinquance, l'immoralité et le banditisme, c'était ça ma vie. C'était vraiment compliqué. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Si tu restes en Jésus-Christ, c'est pour ton bien. Reste en Jésus. Un beau matin, moi et mes amis à la recherche des producteurs pour notre premier album. Dieu nous fait la grâce de rencontrer un homme, aimé Djekouri Hamis, qui nous parle de Jésus. Et c'est comme ça, j'ai donné ma vie à Jésus. Je lui ai consacré ma vie. Ce n'était pas facile. Après les émissions télé, je dormais sur les bancs de l'église. J'ai persévéré dans la foi, regardant toujours aux promesses de Dieu, 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 Dieu. Annoncer l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, c'était ça ma vie, c'était mon quotidien. Alors reste en Jésus, oh yeah. C'est pour ton bien. Quelques années plus tard, mon Dieu me fait la grâce et je me marie là. Quelques années plus tard, Jésus me fait la grâce et je me marie. 3 ans après le mariage, je fais un album à 2 semaines de la promotion. Et le ciel a noirci mon épouse. J'étais enceinte d'une grossesse de 7 mois. Elle est décédée, l'enfant aussi est décédé. Moi j'ai vraiment pleuré. Alors j'ai questionné Dieu, mais Dieu m'a rien dit. Il m'a fortifié, il m'a consolé, il m'a restauré. Et aujourd'hui là, je lui rends toute la gloire. Je lui dis merci, yeah, 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 yeah. C'est pour ton bien. Je veux juste te dire, quelles que soient les épreuves, ne jette pas l'éponge. Mon Jésus est fidèle, il te bénira. Ah oui, certainement. Après toutes ces épreuves seulement, fais-lui confiance. Alors reste en Jésus. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Sous-vous sanctifié et converti pour la gloire du Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde, il n'y a vraiment rien dans ce monde. Myriam Touré, il n'y a rien dans ce monde. Enfant de Dieu, il n'y a rien dans ce monde. Tu sais, dans ce monde, pour avoir le succès, tu vas consulter le marabout. Et le marabout va te dire, ni à la sonne, tu auras le succès. Mais quand tu viens à l'église, y'a pas à l'ensemble, il te dit tout est accompli. Yeah, il n'y a rien, yeah. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a vraiment rien dans Maragoutage. Il n'y a rien dans ce monde. C'est très intéressant ce que vous faites. Maintenant, par curiosité, juste avant de vous laisser, c'est une histoire vraie? Oui, c'est ma vie. C'est votre vie? C'est ma vie. Que vous avez raconté? Je n'ai pas inventé une histoire, c'est ma vie. C'est toute ma vie. Mon époux est décédé le 16 février 2014. Okay. Ouais, avec une grossesse de 7 mois? Oui, 7 mois. Au Chido Gogoudi. Et Dieu vous a restauré, vous avez pu surmonter oui, cela? Ça va. Il m'a fortifié. Vous êtes remarié aujourd'hui? Non. Pas encore. Non, non. Mais vous avez appris à vivre avec. Ouais. On vous retrouve juste un peu plus tard. Ça Richard Crémé. Merci. En tout cas, merci et félicitations déjà. À tout à l'heure. Même avant le terme de l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nous allons recevoir une jeune et belle dame dans le cadre du Massa, n'est-ce pas? Madame Touré Kadi, mais juste après le jingle, là, c'était fait. Ah, c'est la haute technologie, hein? Richard Crémé, où vient?
Ouais, elle est connectée. Elle est toujours connectée, elle est au point. Elle est au point. Ouais. D'accord. Vous le connaissiez, lui? Non, non, pas du tout. J'ai suivi tout à l'heure quand j'étais. C'est pas mal. Hein? Oui, vraiment, félicitations. Vous chantez très bien. Merci beaucoup. Vous avez invité dimanche à l'auto communal. Il n'y a pas de souci. C'est mon conseil. Pas de souci. Ouais. D'accord. Raïssa, en tout cas, merci d'être venue merci hein, vous, en tant qu'esthéticienne et puis pour ces nombreux conseils. Parce qu'on n'a plus le droit d'être moche hein, au 21e siècle. On n'a plus le droit. Si les dames qui nous suivent ont une éventuelle question à me poser, elles peuvent me joindre à mon numéro sur Facebook. Je suis toujours connectée. Toujours. En tout cas, je confirme. Hein. Raïssa. Hein, oui. Et puis bon anniversaire à toi, hein, Zoré. Ok. Bonne journée à vous. Bonne journée également. Avec ce sourire de star. Alors, on revient à votre vécu, votre carrière aujourd'hui, beaucoup plus centrée sur la Côte d'Ivoire et puis la sous-région. Oui. Pas encore de scène ni de spectacle international. Non, pas encore, mais il y a des invitations en vue. En vue, ouais. D'accord. Et tout ça, ça s'est décanté récemment? Oui, normalement en juin, je dois être à Paris. Mm-hmm. Et d'abord en mai, en Italie. Voilà. Ce sont les premières dates? Ouais, ça va être les premiers voyages à l'étranger? Ouais, à l'étranger. Vous avez fait une chanson là-dessus hein? Non. Ah mais si, parce que vous avez l'art de rendre réel au point où la personne qui vous écoute visualise en fait ce que vous êtes en train de chanter. Moi, c'est ce qui m'a épaté tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous avez vraiment merci l'impression beaucoup de voir cette dame à la sortie du cimetière. Ouais. Vous avez vraiment l'impression de réaliser le miracle qui s'est opéré. Et ça, c'est extraordinaire merci pour beaucoup un artiste. Surtout que c'est vous-même qui signez ouais, la rédaction compose, de vos textes. Ouais, et votre inspiration, généralement, c'est dû à... Ça, c'est quoi? C'est pendant que vous dormez que vous y pensez? Enfin, la plupart, votre subconscient? D'abord, c'est le Saint-Esprit. Mm-hmm. D'abord, le Saint-Esprit. Mais la plupart du temps, c'est pendant mes prestations que mes chants viennent. Mm-hmm. Et quand c'est comme ça, j'ai dit à mes amis ou mes frères d'enregistrer. Parce que Dieu m'a fait la grâce d'improviser beaucoup. Alors, j'ai la facilité de prendre ta vie pour chanter. C'est simple que ça. Voilà. Comme ça que vous procédez. Ouais. D'accord. Moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est je vais devoir conclure cette matinale et vous demander également votre mot de fin avant de vous laisser nous chanter quelque chose, mais surtout nous dire pourquoi ça, c'est votre choix, cette chanson. Ouais. D'accord. Okay. Alors, moi, je ne peux que vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette matinale. Demain, vous serez en compagnie de Christelle Mélège. Avec grand bonheur, je vous retrouverai dès lundi. Retenez que nous sommes à l'antenne lundi, mardi, mercredi, dans le cadre en tout cas de cette matinale. Elle s'appelle Christelle Akouza. Elle signe la réalisation, mais il n'y a pas qu'elle, ils sont nombreux. Ici en studio, en régie, au Nodal, en régie, partout, en régie finale, à l'éclairage, au son. Sachez que toutes ces personnes se joignent à moi pour vous remercier d'avoir été là. Vous pouvez maintenant vaquer librement à vos occupations. Il s'appelle Richard Crémé, c'est notre invité de la matinale. Il a Ali Zouglou, il est du Zouglou. Il a migré vers les chansons spirituelles, religieuses. Ouais. Il a également opéré une métamorphose, une transition impressionnante. Et aujourd'hui, c'était un exemple. En plus, vous chantez très bien. Merci. Vous avez un spectacle bientôt, c'est quand? Ouais, c'est le dimanche prochain, le 6 mars, à l'hôtel Kounal Kokodi, de 14h à 18h. D'accord. Voilà, un concert live. On a fait un album de 12 titres enregistré en live. D'accord. Alors, téléphone? Le téléphone 08 23 08 35. 08 23 08 35. Voilà. Voilà. Maintenant, la dernière question, qu'est-ce que vous allez nous chanter et pourquoi? Ce que je vais chanter, c'est le véritable Dieu. D'accord. Parce qu'il m'a montré qu'il est le véritable Dieu. Il est le seul qui a défié la mort et qui est rentré dans le tombeau, qui est revenu victorieux. C'est d'accord un championnat. Ok. Très bien. On vous écoute. Moi, je vous remercie en tout cas. Et puis, on l'écoute avec beaucoup de bonheur. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable. C'est Jésus qui est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il ne m'a jamais trompé. Il est le véritable Dieu. C'est Jésus qui est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux, ils sont morts, restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler, Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de vis-à-vis, vis-à-vis a régné, son règne est passé. Ils nous ont parlé de Beyoncé, il a fait son bruit est passé. Mais je connais quelqu'un. Moi je connais quelqu'un. Est-ce que toi tu le connais? Est-ce que toi tu le connais? Alors si tu le connais, pousse un cri de joie. Je dis,
Si tu le connais, mon frère, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Oh. Ils sont allés le crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau. Deuxième jour dans le tombeau. Oh. Ses ennemis se sont réjouis. Ses magiciens se sont réjouis. Les francs-maçons se sont réjouis. Les Illuminati se sont réjouis. Toi-même, tes ennemis se sont réjouis. Les ennemis de ta vision se sont réjouis. Pour où est-ce que t'as fini pour mon Jésus? Ils ont menti. Pour où est-ce que t'as fini pour mon Jésus? Ce qu'ils avaient oublié, c'est que dans la vie, s'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie, un temps de souffrance, un temps de gloire. Il est le véritable Dieu. C'est mon Jésus qui est le véritable Dieu. Quand il dit la chose arrive, c'est Jésus qui est le véritable Dieu. Je dis le troisième jour. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, pousse des cris de joie. Le troisième jour, quelque chose s'est passé. Le surnaturel s'est passé. Ce que tu n'as jamais vu, Mariam, s'est passé. Tu n'as jamais vu à la télé, s'est passé. Tu n'as jamais vu dans France 24 ans, s'est passé. J'ai dit le troisième jour, quelque chose s'est passé. Ce jour-là, la terre a parlé. La terre a parlé. La terre a parlé. La terre a parlé. Jésus, tu fais quoi ici? Mon créateur, tu fais quoi ici? El Shaddai, tu fais quoi ici? Moi latin, je ne peux pas te garder. Moi latin, je ne peux pas te toucher. Je n'ai pas le pouvoir de te garder. Je ne suis pas digne de te garder. Car les Ivoiriens ont besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La RTI a besoin de toi. Les enfants déshérités ont besoin de toi. Les prostituées ont besoin de toi. J'ai dit les homosexuels ont besoin de toi. Jésus, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais dans le tombeau? Le tombeau n'est pas ta destinée. Tu n'es pas venu pour rester dans le tombeau, mais tu es venu ressusciter les morts, guérir les malades, transformer les nations. Alors moi latin, je ne peux pas te garder. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Merci.